des temps des sapes dominicains qui ont mis sous payroll après avec Odevi et ils ont investi tout des millions de dollars. Qui ça bagalaye? Est-ce que ça a pas viré d'eau par la population? Information ça cap circuler là. Est-ce que tout bon, c'est la vérité? Comme yon pas qu'on juge. Yon seul moun, Bessap suppose vin by explication. Bessap suppose vin by version pal la sous sa cap circuler dans moment là. Que Bessap ta sous payroll dominique. Nous connaît qui travaille Bessap te mené. Eh bien, en face à Bibi. Par rapport ensemble avec Canal ça qui ça bagarre la li même lié peuple haïtien prends chez ba nous chita pour nous attendre information ça visite Gary Koni sous rivière massacre est-ce que gen bagaille ni moi même ni ou même nous poko capable fin comprendre est-ce que ta gen un bagaille en bas nous pral attendre citoyens ça qui pral ba explication ta semble gen bagaille contrat cap gérer et bien dans visite Gary Koni Gary Koni tout fait gros déclaration par rapport ensemble avec l'armée d'Haïti. Selon citoyen ça, et bien yo pral mette tout ça que yo même yo capable, toute énergie yo deyò pour yo bay la meya, et bien munition pour le capable, et bien défendre territoire national là contre bandi et puis contre n'importe l'autre nation qui t'a vle attaquer pays d'Haïti. Pe ayisyen, nou pral tande information. Hier nou te wè ki déblozay ki pété entre Bessap et puis comité canal là. Mais faut me dire nous tout, dans comité canal là gen yon division. Gagnon division qui ça va gala lui-même lié nous pral tant des citoyens ça yo qui t'a parlé parce que là pasteur Moïse t'a bay un document et madame Widlin t'a bay un document qui ça va gala lui-même lié peuple haïtien prends tichèse ba nous chita nous pral tant des informations. Bonjour bonsoir tout le monde comment nous y nous kon salye déjà c'est bon suivant qui retourne la caillou pour une nouvelle émission déjà moi qui t'en remercie ou même qui toujours prend temps qui garder qui like et qui partager émission yo si c'est première fois regarder vidéo sur channel là n'a pas parler sont pas abonné c'est celle façon ou ca supporter travail ça. Déjà moi qui t'en remercie ou même qui toujours prend temps qui garder qui like et qui partager émission mio. C'est pas ici qui ça bagala li même lié. Eh bien nous connaît, nous gagnons force multinationale dans pays d'Haïti. 400 soldats kenyan, eh bien yo même k'ap brekob yo dans pays d'Haïti. Les nèg sa yo te gen pour yo débarquer dans pays ya, yo te fait comprendre son série de nèg qui habitué. Eh bien, al nan combat qui habitué à mettre sécurité dans série de l'autre pays. Nèg sa son série de nèg qui spécialisé yo eh bien pour yo combattre contre gang peuple haïtien. Jusqu'à présent dans moment qui n'a parlé là, nèg sa yo eh bien c'est formation y apprend toujours. Hier il y a plusieurs blindés pour me dire nous ça qui débarqué. Est-ce que jusqu'à présent là c'est problème blindé PNH là ou bien force qui là li gagné? Nous pas connait peuple haïtien mais il y a plusieurs blindés qui débarquaient sous territoire en pile blindé mais jusqu'à présent nèg yo a dit que yo même yo pas gain munition on regarde comment nèg yo même non y a prend formation peuple haïtien c'est vraiment bon. Ces formations, eh bien, nèg Kenya yo la, y apprend jusqu'à présent. En série de nèg, yo fait comprendre qui habitué mette la peine en série de zones, en série de pays. Mais là, yo rive Haïti, c'est comme si yo pou ko jam konnen rien. C'est kounya y apprend formation. Peuple haïtien, qui sa bagala li même lié, est-ce que nous prenons un complot? Gary Koni débarqué sous rivière massacre, li pas même fait 5 minutes. Mais pour me dire nous depuis avant hier il était dans zone nord qui ça qui passé qui ça qui gagné qui ça population lui même il supposé qu'on est citoyen ça t'a parlé
eh bien des arrivées Gary Conin nan Noa. Entendez qui ça bagala li même li peuple haïtien. C'est vraiment important. Et par l'autre action qu'elle te vienne poser, je dis elle te gagne une action directe pour venir négocier et contrat 25 ans que Jean-Bertrand Aristide te signé avec Kabedjan pour Côte d'Ivoire. Donc les arrivées en pilote nèg ti monsieur Ariel li te fait façon pour yon prendre comme ça, pour yon renouveler, il n'est pas capable, mais lui-même, il pense qu'il a une légitimité, il a négocié l'agence ou reste qui vend à côté à Kola. Mais on sait le bail moi-même. C'est là que je dis que le ministre est venu sur le canal là. Bon, je suis tendu. Donc, passage ministre là, pour journée jeudi à là, c'est 23 août 2024. Et ça fait me satisfait des apocalypses de moment parce que depuis une interview hier 22 nous te gétant prévoir que pas t'ap gain rien qui revient avec la population haïtienne là et nous te fait population haïtienne là connaît tout que c'est yo sous l'état de nation bon processus de l'état de droit qui pas existé par légitimité parce que nous pour jamais gain aucun monde après 2016 pour 2021 qui gain un mandat légitime Haïti a dû nous connaît que l'état de nation pas existé sur l'île d'Haïti, c'est l'état de nation, c'est pas l'état des droits. En termes de processus direct, moi, j'ai te posé une question de Gary Conin en tant que ministre qui à la tête de CPTA. Donc, moi, j'ai dit que moi, pas ni CPT ni Gary Conin, c'est ça, me reconnaître que Gary Conin, c'est un personnage qui passait des présentations dans la pathologie. Gouvernement sous matérialité calée et qui a un volume de rapports que l'État doit par la population haïtienne sous Petro-Caribe avec tout le système. Yo. C'est la même conception. Hein. Et depuis que nous avons accouché en bas et CARICOM devant les Nations Unies et devant l'Union Européenne et avec toute l'ambassade à ONG, avec l'Église catholique, y compris les papes, donc nous avons une confiance des nationalités avec eux, des salines avec eux. Yo pas patriote, yo c'est moun qui déjà passé drapeau haïtien en bas pied yo pour côté plusieurs types de l'autre nationalité par la mafia italien et qui toujours courbé à prendre l'hostie dans les papes, dans mes papes, dans mes pères en dans l'église catholique qui était toujours fait nous connaître que blanc c'est Dieu nous et mensonge ça en plein 21e siècle avec l'anthropologie, archéologie et d'autres systèmes de spiritualité nous définit la philosophie et professionnellement parlant en éducation pédagogique le monde éteint. Tout ça pour thérapie, dis-nous que vous pas satisfait de... Depuis hier, j'ai entendu que je pas satisfait parce que je senti qu'il y a un trait qui a rentré dans la cour. Et premier geste trait là, M. Gary Conin, je me fait le connaître que parce que y aurait les hauts fonctionnaires au niveau des Nations Unies, ce n'est pas parce que c'est fort fort dans aucun domaine spécifique de la science. Mais c'est parce que lui accepte tout ça, tout l'eau sale blanche, les balbouets pour venir éliminer phase économique peuple haïtien, exterminer le complotage pour éliminer nation des salines. Eh bien, exigiblement, moi, je connais ça et moi, pas besoin de se coller avec personne monde qui va rentrer dans la conférence nationale parce que après chaque révolution partout dans le monde, quel que soit historien, pas qu'à venir définir aucune cause après révolution qui c'est pas conférence nationale qui va l'accoucher. Recensement totalitaire et sur tout le territoire national et même à l'extérieur. Alors ce qui a fait bruit ici, c'est que le ministre est venu, il est entré en Côte d'Ivoire et pas un monde qui connaît ça avec lui en Côte d'Ivoire. Et lui est sur le canal là, pendant qu'il y a ça dans plein de problèmes sur le canal là, il n'a pas fait de déclaration, il n'a pas parlé à personne, il n'a pas félicité personne, il n'a pas fait de pression, seulement il est venu, il a passé quelques 15 minutes de ménage. Qu'est-ce que dit? Donc psychologiquement, diplomatiquement aussi, en tant qu'ayant historien, anthropologue et archéologue, donc nous travaillons sur le système de l'Antiquité et du présent, même dans le futur. Donc, exigiblement, nous connaissons qu'il est capable de dire M. Gary Conin pour me battre d'IPM, parce que c'est avec légitimité, avec la constitution 1801 qui a accouché 1805 et qui a le bon 1987 qui a marché. Dans la constitution 1987, là, qui a appuyé M. Gary Conin, il est en violé tête en tant que monde qui gagne coup martial sous dol avait dit dans les jours à venir après construction de la base militaire et ça y a le coup martial tribunal militaire tout le monde qui passait dans une tête pays a qui gagne signature à coup
autorisation d'exportation, d'importation, tout le monde sait qu'il y a des pétitions qui pourraient présenter devant eux comme des mandats qui permettent que vous puissiez présenter devant l'État-nation pour porter projet et passer après ces peuples qui pourraient l'analyser jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi j'aime ça le processus de gouvernement, pas tard un haïtien à parler des chefs. Monsieur Gary Conny respecté constitution 1801-1805 jusqu'à 1987. C'est celle paragraphe 52 de la constitution 1987 qui paraît avec une transparence totalitaire pour toute nation hein, et pour Papa Dessalines qui parle de pour être haïtien, droit et devoir envers chaque citoyen haïtien. Avec l'instruction civique et morale appliquée, avec dit si vous n'avez pas trois processus directs, vous n'avez pas parlé de chef en Haïti. Merci beaucoup. Si vous voulez comprendre, c'est nous-mêmes, Gary Conny était venu ici, en contact avec le début, c'est ça qui mène ici. Nous avons fait contrôler l'assiette fiscale. Vous avez besoin de faire campagne, vous avez besoin de faire sélection. Et premier tout vide de M. Gary Conny était ben moins. Qui le papa qui a accompli mission le temps accompli à c'est le fait qu'on n'est pas venu parler de 150 km route ni 150 kW d'électricité, mais ça montre que exigiblement moi-même première question me poser tête moi poser tête est-ce qu'il y a un monde ou bien y a une institution y a un conseil électoral provisoire ou bien permanent capable de réaliser une élection avec transparence équitable avec ça y a les acquittés visuels avec légalité et légitimité, plus tranquillité et sérénité, comme yon pat compatriote de la nation haïtienne, ou pas qu'à faire élection, réaliser élection sans ou pas gagner travaux publics en mouvement, transport et communication, et négocier si yon te vle élection, yon ta doué passer, mais ni dans notre na com, ni dans diesel, parce que dans la première élection, diesel te triqué en pile, et gapé jusqu'ainsi. Et tout le monde a eu des pétitions de la nation haïtienne qui parlait de l'état de nation parce qu'actuellement, il n'y a aucun monde qui porte non état de droit qui a fait un lien par aucun papier qui a signé sur Haïti légal sans conférence nationale qui va accoucher encore. Conférence nationale qui va avoir un recensement totalitaire dans 4 points cardinaux pour combien haïtiens qui sur la terre. Et pour faire pétition ça, il faut qu'on signe une pétition ça pour déposer mandat ça devant les Nations Unies pour demander un jugement. Pour ni Canada, ni l'Espagne, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni l'Église catholique, y compris les papes, à tout ONG ambassadeur, c'est tout ça. Si on ne peut pas rentrer dans la logique, ça, et puis former l'armée de 1 million de soldats pour gérer l'île d'Haïti, des Kita qui c'est les Iwa, des Nago qui c'est Wanamet, des Nagota qui pas des Sosura, et puis bam, l'île la blanche sans blanc et sans conception blanc, sans condition, à la ni pépé ou, ni bibou parce que m'baronne sous bonbon diront à la bibou à mettre le sous d'eau à la veille parce que Haïti c'est Dessalines qui sauvait nous à partir de 1803 après la mort de Dessalines après la mort de Toussaint Louverture parce que Dessalines était un lieutenant dans l'armée Toussaint hein? Point bas pas aucune considération avec aucun peuple c'est seul moi yon seul bagaille longtemps m'étais condamné en série d'Haïti qui dit oui nous t'es condamné pour nous te vivre avec peuple dominicain on seule fois m'étais fait intervention mais après jusqu'à si m'pourquoi j'aime d'aller dire ça encore parce que m'étais fait reconnaître yo sorti Bénin. À partir de 1492 à 95 dans l'aiguille, yo même yo sorti en Espagne, yo pas de vin à garçon, yo pas de gain folie pep, yo pas de gain espoir pep, yo pas de gain projet pep. Si yo te besoin pep, yo ta vin à ni femme ni garçon vin peuple sous sol ça pour te connation. Jusqu'à présent pas gain yon nan dominicain qui gain signature parce que c'est esclave de l'essio qui te qu'on a coupé maman yo. Donc exigiblement, c'est pas dans café ni dans club yo te mette yo, c'est dans forêt yo te déposé yo et puis garçon servi avec yo comme bestialement. Jodi al te gen yon action direct pour venir négocier et contrat 25 ans que Jean-Bertrand Aristide te signé avec Kabedjan pour Codevi. Donc l'est arrivé en pilote nèg ti monsieur Ariel yo te fait façon pour dal prendre comme ça pour aller renouveler li pas capable mais lui même li pensait te gen légitimité la négocier l'agence ou rester qui vend à côté à cola mais on seul bail moi même c'est nous même qui pour lever pied il a lit citoyen ça sorti dans silence li citoyen ça parlé en pile gros causé parlé citoyen ça parlé des dossiers contrat eh bien que Gary Conny lui-même li pensait que lui-même li te gagne légitimité pour te capable signer avec Codevi qui ça bagala lui-même lié tout bon peuple haïtien est-ce que nous prenons complot ou pas
comité canal, des blousailles, agent Bessap. Bagay ça a fait un pile parler peuple haïtien. Entendez déclaration moun sa yo par rapport ensemble avec ça qui passé hier. Et bien côté pasteur Moïse dit même li bay yon document et puis partisan Widlin yo même yo bay yon document. Qui ça bagalaye? Mais ça pasteur Moïse dit maintenant ça, pas gen rien pour wè avec ce comité. Donc nous même qui dans comité a, nous pas gen rien pour wè avec document que pasteur Moïse remet au ministre. Document officiel que comité a de manière générale reconnaître, c'est document que Widlin remet nous même de manière générale. Nous chita nous discuter sur lui. Quand rencontre qui était faite avec délégué départemental là pour planifier venir pour le ministre aujourd'hui, il était constaté que tu as un problème ça qui posait et c'est ça qui fait que aujourd'hui il était poussé nous dans décision que tu prends pour nous aller chercher Widlin comme porte-parole qui il y a quelques mois qui pas parler sur le canal là pour nous au moins coller monstre que tu décoller pour permettre que toute activité canal là continue. Et ceci, c'est ça que nous avons fait aujourd'hui. D'autre part, nous avons gagné pour nous travailler sur un cahier de doléances. Un cahier de doléances, ce n'est pas un devis que nous avons présenté, c'est seulement présenter grand besoin que plein de gagné. Et ceci, après un rencontre hier qui était fait en délégation avec le comité canal, là, nous avons gagné pour nous chita entre nous encore dans une deuxième rencontre Miranda pour nous être capable de décider qui ça nous a mis en dedans, cahier ça. Et ceci, tu as gagné pasteur Moïse qui a gagné responsabilité pour te faire traitement texte là. Et comme ce secrétaire exécutif, nous avons tout donné dans même, nous avons fait contact avec lui pour nous gagner cahier dans même, puisque tout ça qui est conclu dans la rencontre qui est fait là. Je te dis après, fin préparer texte là, c'est moi-même en tant que secrétaire là pour mettre lui. Et nous-mêmes, nous sommes clairs pour nous faire Widlin comme porte-parole, et bien cahier pour te présenter. Malheureusement, il n'a pas fait ça. Et puis, matin, il est venu. Quoi que nous t'ai préparé et cahier doléance nous, puisque nous t'ai tout donné. Il est venu matin, nous t'ai passagers mal côté. Moi dit que côté cahier, il t'a préparé et moi-même t'ai monté présenté. C'est là ça dit que cahier a li nan men yon ingénieur qui ensemble avec lui. Il me dit côté ingénieur, il dit non, oh, semblait fermer dans machine parce que porte machine ni bloqué avec toute clé. C'est ça il t'ai dit nous. Comme nous sommes campés dans le soleil, nous déplacer dans les quelque part pour nous être capables de reposer, l'entourne nous continue à demander le cahier, pas de banou, jusqu'à ce que la présence délégué et premier ministre vienne paraître, lui prend le document, et avant de le présenter, bien entendu, là le côté, lui dit que comme le document que je prépare, c'est un document technique, même pas technicien en matière pour que je me présente, il faut que au moins, je sois capable et bail que c'est ingénieur présenté, me dit mais non. Dans le compte que le comité a fait, pas ça nous a dit. Nous avons dit que oui, on a fait traitement avec ça, mais c'est le secrétaire qui a gagné Kaya dans même. Et finalement, lui-même, il a tout pris Kaya pour te présenter directement pendant nous-mêmes, nous avons préparé Kaya de doléances que nous avons préparé à partir des rencontres qui étaient faites là. Et c'est ça qui vient de faire que, ouais, sous canal là, tu as gagné, sous forme, nous avons présenté que c'est. Des cahiers que tu présentes. Non, un seul cahier que tu présentes, c'est le cahier que le comité a été chita dans un compte mérite hier, parce que tu es là tout, que nous avons pour nous préparer, pour nous te présenter. Un cahier de doléances, ce n'est pas un devis, je ne sais pas là. Nous présentons seulement grand les besoins que nous avons en plein temps. Le besoin, c'est que nous avons besoin de finir avec ce canal-là. Nous avons besoin de faire sacrer les bassins de rétention pour permettre que les gains de l'eau nous aient une quantité de l'eau qui est capable de permettre de nous arroser plein de mieux. Et curer le canal massacre et puis faire de pistes agricoles côté que nous pouvons lancer la saison, côté nous pouvons récolter du riz très bientôt. Si nous n'avons pas de route, nous avons clair que le produit pour le gâter dans le jardin n'est pas capable. C'est ça tout simplement dans le cahier d'oléance que nous baillons avec le premier ministre. Après. Nous... Et nous souhaitons. Ni comité canal, ni BESAP, qui yon arrange ça. Parce que n'a fait un travail, c'est pour pays à n'a fait, c'est pour peuple là, c'est pour population n'a fait travail là. Nous connaissons le système ça, li faut en pile. L'a toujours cherché façon pour le diviser, li même pour le capable régner. Nous connaissons BESAP qui mène un gros travail, et bien face, ensemble avec ni gouvernement Ariel Henry a quitté là, ni Abinadel. So, c'est grâce à BESAP. Et comité canal là qui te mené toute stratégie yo, pour être capable de jouer un support diaspora pour canal ça lui même était capable de réussir. Je ne dis pas les nous fin rivé juste là et puis pour nous chercher
entrer dans une division. Mais il y a une information qui a circulé là. BESAP supposé vinn bay explication sous information ça pep haïtien. BESAP supposé vinn bay explication parce que nous pas ka courir dit ça cap circuler c'est ça lié parce que ou pas juger un seul monde mais nous supposé tendez version par BESAP là et puis pour analyser ka pour nous connait qui ça bagala lié. Je dis là pendant et pasteur Moïse t'a fait un petit parler ensemble avec Infoberto et bien grand citoyen qui relâché un propos qui bail une information entendez qui ça bagala lié peuple ici. C'est à tout. Parce que qui ça rêve là, c'est détruire le comité, ça qui a fait bel projet dans le pays. Ça qui passe, depuis des temps, il y a des BESAP dominicains qui ont mis sous payroll à travers le devis. Il y a des BESAP dominicains qui ont mis sous payroll à travers de. Entendez, citoyen ça. Sous payroll à travers le devis. Okay. Et ils ont investi sur des millions de dollars, pesos. Des millions de groupes. Et peso tout à travers tout communauté là maintenant et puis yo bay monsieur yo manger chaque jour environ 200 manger breuvage et puis chaque 8 jours chaque 15 jours on payroll qui fait bon subtendé ça veut dire et te gon l'autre problème tu te gon 167 hectares terre et dans pleine Bamari Baro un qui à côté canal là nous dit terre ça c'est terre qui est touchable c'est terre agricole côté si nous gagne canal là c'est ça de faire manger et depuis là nous commencer pas d'accord pour qu'on devienne construit, une faire factory sous terre ça yo et bien nous gain des persécutions même comité canal là a trouvé et ensuite grand pile division qui créé grand pile l'argent qui bail tout partout pour yo éliminer comité canal ça parce que dit comité canal ça capable changer pays là parce que par rapport à ça nous construit par rapport à dirigeant dans le pays là et moun yo vraiment jaloux et nous connaît Dominique yo c'est des moun cap vendre manger en Haïti même on remettre ou besoin même on fait ou besoin pour faire remettre dominicain ou c'est un domaine quoi l'acheter même de l'eau pour nous c'est un domaine à l'acheter tandis que nous gain plus bon faire passer nous gain plus de l'eau passer tout l'eau qui a osé Saint-Domingue c'est en Haïti aussi par exemple on peut compter sur la rivière Massac on peut compter sur la rivière Ténèbres on peut compter sur la rivière Jean-Denis tout l'eau nous yo aller Saint-Domingue et bien dominicain tapé soit depuis des temps. Mais depuis le comité canal ça fin prend relève, nous disons nous chercher tout le bloc pour nous suivre en Haïti. Et c'est de là étant, où vient nous voir, tout le comité a vu des persécutions. Et partout, côté au viré, où est Dominique, qui parle le temps de parler du comité canal. Actuellement, là, nous, tout qui est dans le comité canal, là, si nous besoin. Si tu as besoin d'acheter un bagage, par exemple, Saint-Domingue, c'est vrai, vous pouvez acheter, vous ne pouvez pas mettre Saint-Domingue, il y a pont, il y a chio, il y a tout ça qui gagne. Et bien, nous-mêmes, pour éviter, et nous obliger. À prendre des précautions, mais nous n'avons vraiment pas en sécurité avec l'argent de BESAP. Parce que là où est Dominicain, il a payé BESAP manger, il a payé l'argent, ça veut dire que c'est le comité canal-là qui vit la vie, le comité canal-là qui vient en jeu. Et très bien. Mais maintenant, nous te citons tout à l'heure, et les gens qui monnaient l'argent de BESAP, si c'est vérité, qui est-ce que c'est? Qui est-ce que c'est Dominicain qui est? Parce que je vais vous faciliter pour me connaître. Qui n'ont les? Non, c'est toujours à travers M. Compagnie qui se fait le nom de Capéjan, responsable principal Compagnie. Hein? Et on sait toujours fait ça. Capéjan. Ok, Fernando Capéjan. Ok, monsieur, c'est président Compagnie. Qui Compagnie va parler? Tout Compagnie en dedans, c'est sous responsabilité, monsieur. Ok. C'est lui qui te demande d'acheter tous tes paysans dans pleine Bamari-Baro. Acheter tous tes paysans dans pleine Bamari-Baro, c'est une stratégie pour ne pas produire rien. Pour que Dominique et eux-mêmes continuent à vendre des produits agricoles. Ok, ça veut dire, ou dis-moi ça que, ils bâillent à Jean BESAP plus de 100 à 200 manger par jour. Exactement. Mais c'est gros bagaille, oui, ça veut dire que nous perdons à Jean BESAP là, oui. Attaque pasteur Moïse, pas n'importe attaque, vous. Faut nous mener plus en quête pour nous connaître. Mais pas de problème, merci en pile, on met passer pour pasteur Moïse. BESAP supposé vinn bay vérité sous dossier ça parce que nous pas ka di nous camper bon côté population nous mener une bataille comme ça contre les dominicains hein et puis journée jodian pour nous ta en bas payroll dominicain pour ces dominicains qui ba nous manger hein juste pour intérêt pa yo non BESAP bay ça ba comprendre non
bah ça Bissap supposé dire un bagage sous dossier ça pas bah ça veut comme si c'est pousser ça qui passé hier entre Bissap et puis et comité a, et pasteur Moïse qui t'a fait nèg comme si yo a dit une série de propos bata quoi ça faut que Bissap vienne dire qui ça bagage là même lié exactement papa ici en attendant de Gary Koni et qui t'a parlé et sous cause l'armée Gary Koni là qui fait gros déclaration en pile belle français parler mais c'est pas ça nous besoin on attendait Gary Koni qui t'a parlé c'est vraiment important pour un événement qui revêt une importance capitale pour l'avenir de la nation. La prise de commandement des forces armées d'Haïti par le lieutenant général Derby Guerrier marque non seulement un tournant décisif mais aussi un acte de foi en notre capacité collective à restaurer la grandeur et la souveraineté de notre pays. Monsieur le Général, en acceptant ce commandement, vous prenez sous vos épaules les poids de l'histoire et l'espoir d'un peuple tout entier. Votre mission, ô combien noble et ardue, est de diriger nos forces armées avec la rigueur, l'intégrité, la sagesse qui ont toujours caractérisé les grands chefs. En ces temps troublés où notre patrie est confrontée à des périls sans précédent, votre rôle sera crucial pour protéger la nation, rétablir l'ordre et garantir notre indépendance. L'histoire de nos forces armées n'est pas celle d'une simple institution militaire, mais bien celle d'une épopée nationale forgée dans le sang, le sacrifice et la détermination. Sous les drapeaux de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines et d'Henri Christophe, nos ancêtres se sont levés pour briser les chaînes de l'oppression et fonder une nation libre et souveraine. Cette armée, héritière directe de ces héros, incarne l'esprit même de notre indépendance, la flamme vivante de notre volonté de liberté. Et aujourd'hui, alors que vous prenez les commandes de cette institution historique, vous marchez dans les pas de ces géants, ces figures titanesques qui ont offert leur vie pour que nous puissions vivre libres. C'est à vous maintenant, Monsieur le Général, de poursuivre cet héritage, de porter haut le flambeau de la liberté et de restaurer la confiance de la population haïtienne dans les forces armées d'Haïti. Votre mission est claire et impérative. Rétablir la discipline, renforcer la capacité opérationnelle de nos unités et faire de chaque soldat un modèle de professionnalisme et de dévouement à la République. Mais n'oubliez jamais que dans une démocratie, la force de l'armée doit toujours être subordonnée à la force du droit. L'armée d'une nation libre est un rempart contre le chaos. Mais elle doit rester toujours au service de la loi et de la volonté du peuple. C'est en respectant cette primauté du droit que l'armée se fait la gardienne de la liberté et non son fossoyeur. Votre devoir, Monsieur le Général, sera donc de veiller à ce que les forces armées de Haïti soient le reflet de nos valeurs démocratiques, qu'elles agissent en étroite collaboration avec les autorités civiles pour le bien de notre patrie. Et face aux défis colossaux qui nous attendent, notamment la lutte contre les forces du mal qui sèment la terreur et la violence, il sera impératif que nos forces armées unissent leurs forces avec la police nationale d'Haïti. Cette synergie, ce travail en parfaite harmonie, est la clé de notre succès contre les menaces qui pèsent contre notre territoire. Ensemble, et seulement ensemble, nous pourrons ramener la paix, rétablir l'ordre et offrir à notre peuple la sécurité qu'il mérite. Et pour rendre cette mission possible, je m'engage à prendre des mesures concrètes pour soutenir et renforcer les forces armées d'Haïti pendant cette période de crise. 1. Le gouvernement allouera des fonds supplémentaires pour moderniser l'équipement des forces armées, en particulier les technologies de surveillance et la communication. Nous devons doter nos soldats des outils les plus performants pour qu'ils puissent bien mener à bien leur mission avec efficacité. 2.
Je compte sur vous pour mettre en place des programmes intensifs de formation, et non seulement pour les nouvelles recrues, mais aussi pour les officiers actuels. Cette formation mettra l'accent sur la tactique militaire moderne, la gestion des crises et évidemment le respect des droits de l'homme. Nos forces doivent être prêtes à répondre à toutes les situations avec compétence et discernement. Toi, nous sommes déjà en train de renforcer notre partenariat avec les nations alliées pour bénéficier de l'expertise internationale en matière de sécurité et de défense. Des missions de formation conjointes et des échanges de bonnes pratiques seront organisées pour élever le niveau opérationnel de nos forces armées. Et quatre, je compte sur vous pour assurer que le bien-être des soldats soit une priorité. Nous devrions améliorer les infrastructures militaires, les logements et les soins de santé pour nos soldats et leurs familles. Un soldat qui sait que sa famille est en sécurité et bien soignée est un soldat plus déterminé et concentré. Et cinq, nous allons établir des programmes de collaboration entre l'armée et les communautés locales. Ces initiatives visent à renforcer la confiance mutuelle, à développer des projets de reconstruction, de développement local et à montrer que l'armée est là pour protéger. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'avenir de la nation repose sur notre capacité à garantir la sécurité et la stabilité. En ce jour historique, je réitère l'engagement total de mon gouvernement à soutenir nos forces armées et à renforcer leur coopération avec la police nationale. Il est de notre devoir, de notre responsabilité sacrée de bâtir un pays où chaque Haïtien peut vivre en paix, où nos enfants peuvent grandir sans crainte et où la souveraineté de notre nation est respectée et préservée. Peuple haïtien, jeunes femmes, jeunes garçons, je dis à, ce n'est pas seulement commandement l'armée à changer. C'est une poteau mitant la fondation nation que nous avons remis à camper. C'est plusieurs milliers de jeunes femmes et jeunes garçons qui pourraient avoir une opportunité dans le mois qui est venu là pour servir le pays comme ça doit. Ils ont servi comme officiers, comme employés civils dans l'armée. Depuis le budget rectificatif 2023-2024, là, arrivé dans le prochain budget, nous avons proposé moyens pour plus que doubler l'effectif force de l'armée d'Haïti. C'est comme ça que nous travaillons pour nous proposer au pays dans le jour qui est venu là. Plusieurs sources pour l'État qui a créé un fonds spécial pour financer sécurité et défense nationale pour la police à l'armée, pas dépendre trop de communauté internationale. Mais moi, je dis nous tout, nous sommes en pile de marches avec les partenaires internationaux pour l'armée retrouver droit grand monde tout bon. Comme ça, on est capable d'acheter toute qualité matérielle et équipement qui permettent la fête des fans de pays contre criminels nationaux et internationaux et puis bien paré pour aider dans le développement pendant la respecter droit de monde et la Constitution. Dans ce qui vient pour la nouvelle doctrine de l'armée, qui doit chita sous service pour la population et respecter droit de monde, on travaille pour proposer au Conseil présidentiel un décret qui côté Centre national équipement pour le passer en bas de l'armée d'Haïti. Comme ça, tout équipement matériel pour le pour service congéni dans l'armée. Employé, selon profil, pour avoir une opportunité de venir soit militaire, ou soit employé civil dans l'armée, ou bien été employé ministère des Travaux publics. Je te dis nous ça déjà, semaine pour nous rejoindre la sécurité, pas coûte et pas facile. Mais je dis, nous plus près, parce que nous plus loin. Chaque jour qui passe, nous posons une roche dans la fondation sécurité. Même si nous beaucoup ouais mieux, mais garantis nous que mieux en construction. Et c'est là un bel combat. L'armée, population, la police, n'a pas capable de rejoindre la dignité peuple. La paix, sécurité, et développement tout bon. C'est pour ça la police et l'armée, c'est deux priorités gouvernement PAMNA. Monsieur le Général, en ce moment solennel, je vous adresse mes plus vives félicitations. Je suis convaincu que sous votre leadership, les forces armées d'Haïti retrouveront leur éclat d'antan et leur place légitime
au cœur de notre société et dans la défense de notre République. Que Dieu vous garde dans cette mission de la plus haute importance et que vive Haïti, éternellement libre, souveraine et en paix. La peuple haïtien nous attendait Gary Koné qui t'a parlé, Gary Koné qui fait comprendre l'armée avec la police c'est priorité là. Eh bien, la travail là pour louer est-ce qu'elle cabaille l'armée là. Eh bien, ça que lui-même li gain besoin matériel pour capable eh bien sécuriser population. Après fin garder vidéo ça, me connais gain pile bagaille que ou même ou envie dit. C'est qui ça lié? Al quitter l'espace commentaire sans que nous pas respecter personne dans respect une pour l'autre. Pas oublier partager vidéo ça avec un ami ou une famille, inviter le venir abonner ensemble avec channel là. C'est là où j'ai une actualité sur tout ça qui a passé. Fanatique bon suivre, restez branché pour une autre émission. Bon suivre.